À l'ouest des États-Unis, le Far West est un mythe par son seul nom. Un nom porteur de rêves et d'aventures. Les paysages coupent le souffle. Il y a ceux des montagnes rocheuses qui ondulent de conifères et d'autres qui se figent en déserts multicolores et démesurés. Les phénomènes géologiques et les écarts de température, l'eau et le vent, les volcans et le sable ont buriné cette terre inhospitalière. Pourtant, des hommes, des Indiens s'y sont accrochés. Ils y ont trouvé des refuges sûrs et de vastes territoires de chasse. Puis ils ont cédé la place à l'homme blanc, le pionnier à la conquête de nouveaux espaces. Subjugués par la beauté des lieux, les nouveaux habitants vont les préserver dès le 19e siècle en créant les parcs nationaux. Protégés par une réglementation efficace, les canyons et les sites les plus somptueux sont restés intacts et un subtil équilibre s'est établi entre la nature et l'homme. En ménageant les richesses du sol et des paysages, en révélant les formidables mécanismes géologiques, les fondateurs des parcs nationaux ont mis la nature à la portée de l'homme. Aux confins des montagnes rocheuses, l'Utah. La partie sud de cet État réunit à elle seule quelques-uns des plus fabuleux sites naturels du monde. Canyons, lacs et amphithéâtres rocheux. Au pied des La Salle Mountains, Arches National Park. Le lieu doit son nom aux arches de pierre esquissées ou achevées. L'érosion a rongé la pierre. Un grès très tendre, issu d'épaisses couches de sable déposées il y a 150 millions d'années. Certaines tranches ont résisté, d'autres ont lâché sous l'action de la chaleur et du froid. À l'image du rocher des Trois Commères et des nombreux obélisques naturels voisins, on mesure combien la roche défie les lois de l'équilibre. Mais la roche ne peut rien contre les lois de la mécanique terrestre. Éclatée par le gel et poncée sans relâche par le vent de sable, une brèche s'ouvre dans la paroi et forme une arche. Le parc national Arches en contient 2000 de toute taille. Delicate Arch, l'arche délicate, pourrait enjamber un immeuble de 7 étages. La protection de cet environnement unique est tout aussi délicate. Parce qu'il est très photogénique, Arches a servi de décor à plusieurs grands films et à de nombreuses publicités. Même si la nature est restée intacte, le succès la fragilise. Chaque pas, chaque seconde qui passe, emporte un peu de cette terre vulnérable. Et pourtant elle se défend. Ce cours d'eau, par exemple, à 300 mètres en contrebas, négocie tellement de méandres qu'il déroule 9 km de parcours sur une distance réelle de 2 km à vol d'oiseau. Au sud de l'Utah, à cheval sur la frontière de l'Arizona, le Glen Canyon et son barrage retiennent les eaux du lac Powell. Cet immense lac artificiel est le deuxième du pays.
après la construction du barrage, l'eau s'est engouffrée dans les recoins du Glen Canyon et en a épousé les moindres déchirures. Les rives du lac sont découpées à l'extrême. Elles totalisent 3150 km, c'est-à-dire plus que toute la côte ouest des États-Unis. Le lac est devenu un centre de loisirs nautiques. Mais attention, le vent se lève vite et les tempêtes sont parfois violentes. Selon les saisons, le niveau de l'eau peut varier de près de 10 mètres. Et au mois de juillet, lorsqu'il est rempli, le lac atteint par endroits une profondeur de plus de 1 km. Le lac Powell est secoué d'un étonnant chaos rocheux, catalogue immobile des mouvements géologiques. Tantôt, la pierre plonge brutalement, tantôt, elle tourbillonne mollement. Rainbow Bridge, un arc-en-ciel pétrifié, une fenêtre sur un autre monde, selon les Indiens. C'est le plus grand pont naturel connu. L'ouverture est large de 85 mètres. Les canyons qui découpent les côtes sont inaccessibles par voie terrestre. Mais l'eau du lac emmène le visiteur partout où elle s'est insinuée. Et quand le bateau abandonne, on continue à pied. On accède alors à l'intimité de la roche, taraudée par l'eau, le vent et le sable. Antelope Slot Canyon. Vrillée sans arrêt, la pierre donne le vertige. D'un instant à l'autre, elle hésite entre muraille et voile. Ici, la pierre est vivante. On reste médusé devant les décors créés par la nature pour une mise en scène qui n'a pas été modifiée depuis l'arrivée des premiers pionniers. Les interventions humaines ont à peine effleuré le paysage et l'on peut suivre à la trace la fantastique aventure géologique de ce pays. Les couleurs, les formes, les textures, les proportions, mais aussi les structures et leur audace, sont des lucarnes ouvertes sur l'histoire de la Terre depuis des centaines de millions d'années. Rien que dans l'Utah, les géologues ont identifié plus de 600 roches différentes formées à l'aube des temps par des températures et des pressions extrêmes. À certains endroits, les rochers pulvérisés en fines particules de quartz se sont amassés en dunes qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de haut. À la recherche de ses moyens de subsistance et dans l'organisation de son espace vital, l'homme n'a laissé ici qu'une empreinte discrète. Par exemple, dans les noms des canyons,
Celui-ci, le Snow Canyon, n'a rien à voir avec la neige. C'est le nom d'un chef mormon. En fait, l'origine du canyon est volcanique. Avec l'altitude, la végétation change. Jusqu'à un peu plus de 2000 mètres, on croise des pins. Au-delà, dans une zone végétale baptisée « canadienne », comprise entre 2000 et 3000 mètres, les sapins, les bouleaux et les épicéas se partagent le sol. C'est un autre arbre, le cèdre, qui a donné son nom à un amphithéâtre époustouflant, le Cedar Breaks National Monument, 4,5 km de large, 600 mètres de profondeur. Des oxydes de fer, de manganèse et d'autres minerais teintent le calcaire blanc de couleur irréelle. Les Indiens avaient appelé l'endroit le cercle des falaises peintes. Toute cette région a une origine géologique commune et récente. Il y a 15 millions d'années, le plateau calcaire entier s'est soulevé à la suite d'une violente activité volcanique. Certaines parties se sont affaissées, comme ici au Red Canyon, et ont laissé libre cours à l'érosion dévorante. Toujours dans la même veine géologique, Bryce Canyon. En fait, le site porte mal son nom, puisque ce n'est pas vraiment un canyon au sens propre du terme. C'est plutôt une vaste arène, déchiquetée par l'érosion. L'érosion y est tellement délirante qu'au XIXe siècle, les premières descriptions écrites du lieu comparaient les roches à des milliers de sentinelles ou à des moines et des prêtres en congrégation, ou encore à des ruines de prisons, de châteaux et d'églises. Une légende indienne raconte qu'un peuple très ancien vivait ici. Ces gens avaient le pouvoir magique de prendre des formes animales diverses, chiens ou insectes. Mais un jour, à la suite d'une mauvaise action, le dieu Coyote les changea en pierre pour l'éternité. Ce sont les Oudous. Il y a une vie dans le Bryce Canyon, mais elle est discrète, car les pentes escarpées et friables ne sont pas favorables à la faune et à la flore. Ici, tout est frêle et momentané. Les parcs nationaux américains sont répartis en quatre catégories, panoramiques, touristiques, historiques ou scientifiques. Pour l'exceptionnelle qualité de son milieu naturel, Bryce Canyon a été classé hors catégorie, au-dessus de tous.
sur le bord occidental du plateau du Colorado, s'ouvre le Zion National Park. Si l'érosion a modelé ici des formes plus douces, elle les a en revanche sévèrement entaillées. Les gorges plongent jusqu'à 600 mètres de profondeur. À la fin de l'ère glaciaire, à une époque où les précipitations étaient beaucoup plus importantes, une petite rivière, la Virgin River, la rivière Vierge, a été la principale force abrasive du Canyon Zion. Aujourd'hui, c'est de manière imperceptible qu'elle poursuit son patient travail. À Zion, certains visiteurs passent presque inaperçus. Même la couleur du bitume a été étudiée pour que les routes se fondent dans le paysage. Bien après les Indiens, les Mormons, fuyant les persécutions, ont apprécié cet endroit. Dans leur religion, le nom Zion désigne un havre de paix où vivent les hommes au cœur pur. Intraitable, l'eau règne en maître. Elle sape la pierre et la pousse dans ses derniers retranchements. Ici, les rochers en pleurent, le Weeping Rock. L'eau décide aussi de la flore et de la faune qui couvrent plusieurs zones climatiques, de la tempérée à la semi-désertique. L'eau peut être dangereuse dans les Narrows. Des gorges tellement étroites qu'en cas d'orage, le niveau monte très vite de plusieurs mètres. La Bible et les Écritures saintes des Mormons ont laissé des noms symboliques à plusieurs points culminants. Les trois patriarches et le grand trône blanc, le palier des anges et le temple de l'Est. Comme sur le Checkerboard Mesa, un échiquier géant griffé par des pions acérés, l'érosion est une puissance invisible qui divise ce monde pour le dominer. Tracées au cordeau, les frontières de quatre États se rencontrent ici, à angle droit. Elles répartissent d'autres joyaux fantastiques du Far West. Loin de la fantaisie créatrice de la nature, les repères rectilignes, ici, ne peuvent avoir été imaginés que par l'homme. Dans un pays qui a de l'espace à revendre, sur une terre calculée à l'échelle d'un continent où l'horizon fuit sans fin et où les seules vraies limites sont humaines, on a tracé les frontières à la règle. Ce bon sens cartographique a produit une curiosité unique aux États-Unis. Nous sommes à Four Corners. On trouve quatre États ici. Le Nouveau-Mexique, ici l'Arizona, l'Utah, et là, le Colorado. Et c'est génial de nous retrouver ici en famille dans quatre États à la fois, au même moment. Le temps d'une petite leçon de géographie et de la photo traditionnelle, les visages de cette famille nous l'apprennent. Nous avons pénétré sur le territoire des Indiens Navajos.
Monument Valley, la vallée des monuments, plante le décor le plus célèbre du Far West. Il y a 70 millions d'années, c'était ici le fond de l'océan. Les eaux d'un bras du golfe du Mexique se sont retirées à mesure que les montagnes rocheuses se soulevaient. Une immense plaine est apparue, et l'érosion a fait le reste, mais avec un sens presque dramatique du décor. Les cinéastes d'Hollywood ne s'y sont pas trompés. John Ford a tourné ici ses plus célèbres westerns, et beaucoup d'autres hommes d'image ont exploité les arrière-plans grandioses. Les mesas, tables en espagnol, et les cheminées de grès se dressent jusqu'à 600 mètres de haut, tout au long d'une vallée qui s'étire sur plusieurs dizaines de kilomètres. Monument Valley fait partie intégrante d'une réserve grande comme la Suisse, où ont été cantonnés les Indiens vaincus au XIXe siècle. 300 000 Navajos vivent encore dans cette réserve qu'ils appellent eux-mêmes leur nation. Le Hogan est l'habitat traditionnel des Navajos, parfaitement adapté au désert, frais en été, chaud en hiver. Les Navajos vivent dans ce type de maison. Les Navajos vivent dans ce type de maison, construite avec des rondins de genévrier. Pour l'isolation, on utilise l'écorce et de la boue. On appelle ce type de maison un hogan féminin. Il existe aussi des hogans masculins qui ont la forme d'un tipi. Grâce à leur habileté et à leur travail, les Navajos ont conforté l'autonomie qu'ils avaient acquise dans leur réserve. Et mieux que d'autres Indiens, ils ont résisté à l'influence des Blancs. Cependant, dans leur technique d'art décoratif, les Navajos ont beaucoup appris des Espagnols. Le tissage de la couverture à motif est l'activité féminine par excellence. Cette couverture peut servir de vêtement, de couvre-lits, de portes ou de décorations murales. Mais quel que soit le support, les méthodes artisanales se transmettent entre les générations. C'est ma mère qui m'a appris. Elle m'a montré comment peindre les poteries, y dessiner des motifs avec une pointe comme celle-ci, qui permet de sculpter les objets. Ma mère m'a appris ce que sa grand-mère lui avait enseigné. C'est l'histoire mouvementée de la tribu et de ses démêlés avec l'homme blanc qui est racontée en décorations abstraites tout au long des lignes droites ou brisées des poteries. La peinture conjurait le mauvais sort au même titre que le sorcier. Les Indiens qui constituaient le peuple autochtone le plus ancien du sud-ouest s'appelaient les Anasazi. On en retrouve les traces dans certains villages édifiés au début du XIIe siècle. Ce sont eux qui ont inventé le pueblo, le concept d'habitat groupé. Les pionniers qui arrivèrent ici à la fin du XIXe siècle ont pensé que c'était des ruines aztèques, comme en Amérique centrale. Mais bien sûr, depuis, on sait que c'est faux, le site a été mal nommé. Le village a été abandonné vers 1300,
Et lorsqu'on l'a découvert, on retrouva les portes et les fenêtres scellées, en fermant tous les biens à l'intérieur, comme si les habitants avaient eu l'intention de revenir. Sécheresse ou guerre, les raisons de leur départ précipité sont toujours inexpliquées. Mesa Verde s'étire sur 32 km de long et 22 de large. Mesa Verde signifie littéralement « table verte ». À 2000 mètres d'altitude, un incroyable plateau verdoyant de genévriers et de pins. Les ancêtres des Anasazis se sont installés ici dès le début de notre ère. Ils se sont disséminés dans les canyons sur plus de 800 implantations différentes, toutes en nid d'aigle, et reliées par un système d'adduction d'eau sophistiqué. Dans son âge d'or, entre le XIIe et le XIVe siècle, Mesa Verde aurait compté jusqu'à 7000 habitants. Comme des architectes visionnaires, les premiers Anasazis ont élevé des bâtiments à étages, de terre et de pierre, qui inaugure le genre de la construction verticale sur le continent nord-américain. On pense qu'ils ont construit à cet endroit pour se protéger des intempéries. Sous le rocher, ils étaient à l'abri de la neige et de la pluie. Les habitations orientées au sud sont réchauffées pendant l'hiver et c'est assez ombragé l'été pour que les pièces restent fraîches. Ces Indiens du Moyen-Âge ont atteint un niveau de vie comparable à celui de certains peuples précolombiens d'Amérique latine, notamment par l'organisation de la vie collective et surtout par une création artisanale raffinée. C'est en 1888 que deux cow-boys, à la recherche de bêtes égarées, découvrent le site par hasard. 200 habitations, blotties dans la demi-lumière de grottes naturelles et regorgeant de trésors artistiques. Les deux hommes puiseront dans ces trésors de plein chariot. D'autres pillards suivront pendant 18 ans, avant que le site ne soit classé parc national. Ces cornes pèsent environ 15 kilos et ça vaut 3 500 $. Durango, une petite ville dont le nom vient du basque et signifie « ville d'eau ». Cette charmante localité du sud-ouest du Colorado compte 12 000 habitants, qui cultivent avec bonheur le souvenir des anciennes bourgades du Far West. Une gare habilement restaurée. Une locomotive à vapeur, sous pression, prête au départ. Oui, à Durango, le petit train attend toujours les voyageurs et son mécanicien adore raconter.
Le chemin de fer a été construit à la fin du 19e siècle pour apporter du ravitaillement et du matériel pour la mine à Silverstone et pour descendre les minerais vers Durango, où l'on en extrayait l'or et l'argent. En service depuis 1882, la voie ferrée a longtemps été la seule liaison entre Durango et Silverstone où l'on avait trouvé de l'or 7 ans auparavant. Aujourd'hui, à la belle saison, le petit tortillard emmène 200 000 personnes chaque année sur les pentes des Rocheuses à travers la forêt de San Juan, au bord de l'Animas River. Au bout d'un voyage de 3 heures sans histoire, tout le monde descend à Silverstone, quelques centaines d'habitants à peine. Difficile d'imaginer que tout est parti, ici, d'un camp de mineurs boueux qui réglaient leurs comptes à la gâchette. L'endroit était d'ailleurs surnommé la ville minière que l'on ne quitte jamais. Après un siècle d'extraction variée, or, argent, zinc, cuivre et plomb, la dernière mine de Silverstone a fermé en 1991. Sometimes I can lay there in my bedroll with the smell of bacon fried on the fire. The morning dew all beaded on my blanket. Slept all night and woke up just as tired. Because my old saddle's not as soft a pillow as the summer clouds are slowly rolling by. I could almost make out faces I remember, staring up at that old Colorado sky. And I can see you there by the weeping willow tree, brushing back your hair and laughing at me. And you're just as clear as the teardrop in my eye, staring up at that old Colorado sky. Le Far West demeure avant tout le pays des cow-boys. Ceux qui gardent leurs chapeaux et leurs bottes pour dormir. Ceux qui ne mangent que des haricots et ne boivent que du café noir. Ceux qui ont les jambes arquées par la selle. Ceux qui sont aussi précis avec leur lasso qu'avec leur revolver pour trouer les pièces de monnaie en l'air et pour rassembler 100 vaches d'un coup de sifflet. Mais surtout, les cow-boys peuvent changer de cheval sans jamais s'arrêter. Or better. Let's see if he can do it. Tommy Lane, Mayfield, Colorado. Cowboy! Cowboy repeats the procedure. Yeah.
crowd. Here we go. Le nord de l'Arizona fait la synthèse complète des richesses exceptionnelles du Far West, qu'elles soient humaines ou minérales. Et en apothéose, la grandeur des canyons pulvérise toutes les idées reçues. Le canyon d'Etcheli, aux parois abruptes de grès rouge. Ce canyon tranche sur tous les autres par ses îlots de verdure presque insolites, mais surtout parce qu'il est habité depuis des millénaires. Les Navajos vivent toujours ici, sur la terre de leurs ancêtres, les Anasazi. Un canyon les a vus vivre pendant près de 1000 ans, entre 350 et 1300 de notre ère. Ils y ont développé le même habitat que dans le parc de Mesa Verde. C'est ici que les Navajos se retranchèrent en 1864. Affamés par le fameux Kit Carson, ils se rendirent et 8000 d'entre eux furent déportés. Petrified Forest, la forêt devenue pierre. Il y a environ 200 millions d'années, cette plaine était boisée et parcouru de nombreux cours d'eau riches en silice d'origine volcanique. Les arbres tombés dans le sable et la vase étaient protégés de l'air et de la putréfaction. La silice a pénétré le bois et l'eau s'est évaporée pendant les périodes sèches. La concentration en silice est ainsi devenue tellement élevée qu'elle a moulé la forme externe des arbres et préservé leur structure interne. Les troncs ont été cristallisés en roches semi-précieuses comme l'onyx, le jaspe, l'améthyste, la cornaline ou l'agate. La réglementation des parcs protège efficacement la faune et la nature des passages de l'homme. Ici, les seules traces humaines sont celles de rites indiens millénaires, des pétroglyphes, littéralement des ciselures sur la pierre. Arbres fossiles, monticules multicolores, les parcs préservent efficacement tous ces trésors. Et même les Badlands, qui pourtant signifient « mauvaise terre ». Un peu plus loin, la terre est aussi pauvre, mais elle s'est enrichie de couleurs qui accrochent le regard. Le Painted Desert, le désert peint. En créant les parcs destinés à sauvegarder la nature, les Américains ont inventé plus qu'un concept. Ils ont fondé une vraie philosophie. Le Sunset Crater, le cratère du coucher de soleil, celui d'un volcan dont la dernière éruption remonte au milieu du XIIIe siècle. Les laves, riches en fer et en soufre, sont à l'origine de l'étonnante couleur du sol. Dans cette zone archéologique protégée,
on a recensé de nombreuses ruines habitées par les Indiens entre le XIe et le XIIIe siècle. Celle de Wupatki était monumentale. Elle comptait plus de 100 pièces réparties sur 3 étages. Enrichie par les éruptions du volcan voisin, la région devint une des plus peuplées de l'Arizona Nord. La population a dû partir au terme d'une sécheresse longue de 23 ans. On voit encore la surface où les danses rituelles se déroulaient. Les Indiens d'Amérique n'ont pas seulement vécu dans des villages de toile. Cette habitation, à flanc de montagne, à 3000 mètres d'altitude, a été réalisée par les Indiens en plein Moyen-Âge, alors qu'en Europe, dans les campagnes, les maisons étaient toujours en bois. Le Grand Canyon, une des 7 merveilles naturelles du monde. Le fleuve Colorado a creusé la croûte terrestre pendant 10 millions d'années. Entre son lit coincé à 1600 mètres de profondeur et les sommets de la déchirure, au bord de plateaux boisés, le cours d'eau, allié à l'érosion, a révélé tous les stades de la formation géologique. Une histoire de la Terre, en résumé, dont les épisodes les plus anciens ont ici 2 milliards d'années. Une tour de guet témoigne de la présence très ancienne des Indiens, les premiers habitants du Grand Canyon. Plus tard, vers le milieu du XVIe siècle, des Espagnols explorèrent l'endroit, sans toutefois réussir à atteindre le fond de la vallée. Le Grand Canyon est un parc national qui étonne aussi par l'harmonie des installations humaines. Les formes et les matériaux s'intègrent parfaitement au spectacle de la nature. Pas une entrave au regard dans une vallée longue de 450 km. Une stèle est élevée à la mémoire de l'homme par lequel tout a commencé, le major Powell, géologue et cartographe. Il fut le premier à reconnaître la vallée en 1869, au cours d'une expédition périlleuse dans l'eau froide et tumultueuse du Colorado. Le fleuve peut atteindre la profondeur de 70 mètres et la violence du courant rend la baignade dangereuse. Le canyon est relativement étroit à certains endroits. La distance entre les deux rives peut se réduire à 1,5 km. En revanche, elle peut aussi atteindre 30 km. Pour passer d'une berge à l'autre par la route, il faut parfois parcourir 500 km. Seules les lumières du matin et du soir permettent d'apprécier la position des rochers sur plusieurs plans. Ce sont les changements de lumière qui permettent aux formes de se détacher. À moins d'avoir des ailes ou d'habiter à la limite du précipice, la meilleure façon de faire connaissance avec le Grand Canyon
c'est d'y descendre. Il existe plusieurs chemins, plus ou moins difficiles, qu'il est vivement déconseillé de quitter. Chemin faisant, et grâce aux différences d'altitude, on plonge dans une flore et une faune qui appartiennent à 5 des 7 grandes zones climatiques terrestres. Une personne en bonne forme physique peut faire l'aller-retour dans la journée, mais ce n'est pas recommandé. La dénivelée est de 1500 mètres et en été, la température peut atteindre 50 degrés. Les mules, les chapeaux et les manches longues sont des auxiliaires précieux. Distance, dans un paysage quasi désertique, on croit au mirage lorsqu'on découvre une oasis providentielle. Après plusieurs heures de marche ponctuées de plantes grasses et de cactés, on touche enfin au but, le fleuve Colorado. Le cours d'eau a creusé la roche sur 460 mètres de profondeur avant d'atteindre une couche d'une dureté extrême. Les États-Unis attachent autant de valeur aux parcs nationaux du Far West que l'Europe à son patrimoine historique. Il a fallu des centaines d'années pour construire les cathédrales. Il en a fallu des millions à la nature pour se parer de ses couleurs et atteindre sa grandeur.